is the producer. Donc j'ai cru comprendre apparemment que tu allais à la prévention, donc c'est, qu'est-ce que c'est que la prévention? C'est Hop, on a pas entendu avec la moto, on l'a refait. C'est beaucoup de gainage, c'est de la prévention, c'est des pompes, C'est parce que tu es blessé ou? Non, c'est pour tous les gens. D'accord. J'ai des trucs individualisés. D'accord. Donc il y a deux jours, tu as joué contre Lens dans le gros match au sommet en championnat U17. Tu as eu l'occasion de marquer deux buts en plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre qui était hyper importante pour vous? C'était important. On a fait un gros match. Dalvin, bien. Il y avait de l'intensité. Est-ce que cette victoire elle est particulière? Ou c'était un match comme les autres? On voulait gagner parce que au match aller, on s'était fait voler, on va dire. Ouais, tu peux revenir sur ce match parce qu'il a un peu défrayé la chronique avec, avec des images qui n'étaient pas très très jolies. On méritait de gagner. Après, c'est nous, on leur donne leur match à 5 minutes de la fin. On leur donne le premier, les deux derniers buts, ils gagnent. Après, à la fin, on essaie de faire l'engagement, il y a un joueur de Lens, il tire le ballon et ça nous a mis en colère. Après là, c'est type de match. Et vous avez eu des regrets par rapport à votre comportement? Ça vous a servi un peu de leçon? Ouais, ça nous a servi de leçon, je pense. Nous tous. 12 matchs sans défaite en U17, comment t'expliques cette série, cette superbe série, c'est le cas de le dire? On a toujours envie de gagner, chaque match on est joué pour gagner, c'est pour ça je pense. Donc toi t'es milieu offensif, t'as toujours joué à ce poste-là? J'alterne, enfin ça dépend. Des fois je joue à gauche, des fois je joue à droite, des fois je joue 10, des fois je joue 8. Donc un poste qui te permet de te mettre en valeur, notamment dans la finition, parce que t'es un redoutable buteur, t'as atteint la barre des 10 buts à mi-saison là. C'est quelque chose que tu t'étais fixé comme objectif? De marquer 10 buts ou... Non, moi j'essaie plus de faire des passes décisives à mon partenaire. Parce que je pense que... Je joue un poste où je suis là pour faire des passes, je suis pas là pour marquer. Après, si je veux marquer, on va marquer. Hein. Donc, sur le terrain, tu es plutôt technicien, bon finisseur, toujours en mouvement. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un de dynamique aussi, ou plutôt réservé, ou comment tu es, si tu devais te définir pour ceux qui te connaissent pas? Les coachs, ils pensent que je suis réservé, mais avec mes potes, je suis pas réservé du tout. Je rigole tout le temps. Tout le temps, on charrie. Tout le temps. T'écoutes du son? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller à écouter en ce moment? Je sais pas. C'était plutôt quoi? Rap? Rock? Rap. Du rap? Un rap américain? Non, français. D'accord. T'as eu l'occasion aussi de porter le maillot de l'équipe de France. Est-ce que c'est différent de celui du PSG ou la fierté est toujours la même ou elle est décuplée? C'est un honneur après. C'est rien, hein. C'est juste un honneur. D'accord. Ok. Bon, la semaine dernière, on a eu le droit à une petite blague de notre ami Nathan Epaillard. Est-ce que tu peux faire mieux que lui? Ou parce qu'elle était pas mal, hein, sa blague des états cachés, là. Donc, Moi, j'ai pas de blague, non. Non? Bon, on est à deux jours du match contre Beauvais. Est-ce que c'est facile de se reconcentrer pour disputer un match face à une équipe qui est moins bien classée que Lens? Comment on fait pour retrouver la concentration? On va gagner, comme d'habitude. On va essayer. Voilà. C'est quoi le programme là sur un vendredi après-midi, deux jours d'un match? Je crois que c'est vitesse. D'accord, vous placez où vous travaillez, placement de l'équipe des fois ou des choses comme ça? Ouais, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est vitesse, après c'est tactique. Après, c'est à la fin, je crois que c'est du jeu. Très bien. Bon, on te remercie, Brian. Et puis, j'espère qu'on va avoir une nouvelle victoire de la part des U17 ce week-end. Puis on te souhaite le meilleur. On te remercie d'avoir passé 100 mètres avec les Titi et on te souhaite le meilleur aussi. Ciao, ciao.